Et bonjour à tous. Vous allez bien? Je suis enfin passé dans le deuxième épisode. Ouais, je suis passé. Donc aujourd'hui, bon alors, comment allez-vous? Nous ça va bien, on est encore en train de jouer. Hein, voilà. Depuis une semaine, on est dessus depuis une semaine. Oh, ça, The Tower. Oh, le bâtard. Okay. Mais j'ai pas la musique de The Tower, ça va pas. Ah voilà. Putain, c'est un pic. Ah mais non, faut que vous l'entendiez cette musique. Enfin, faut que j'entende cette musique, ça. Lien dans la description, OST de www.zip. Oh putain. Toi aussi c'était le passage avec les élastiques et les petits pics verts là où tu galérais à main. Ouais pareil, mais j'ai un peu moins galéré, la preuve je suis passé. Ouais mais. vu l'avance que t'as vu sur moi, c'est sûr. Ouais. Ah la musique de bon, écoute, hein, le pas d'Xbox, au revoir. J'entendis un jour. Bah c'est simple, The Tower regarde Extase Musical, c'est tout. Ça aurait été ça dans la musique 8 bits, mais t'aurais pleuré. Mais en plus, mais t'imagines, genre il sort une cartouche Super NES comme ça avec ce jeu. Bonjour. Nous voulons du fric. Ce serait bien, tu sais, qu'il fasse comme avec Pierre Solar par exemple. Est-ce que tu connais Pierre Pas Solar du tout. Bon, moi non plus, mais enfin, si non je connais, plus. Mais de nom. Mais en fait, Pierre Solar, c'est un jeu sorti en 2012. Sur, alors vous allez voir, c'est assez surprenant, sur Mega Drive. Putain. En 2012, sur Mega Drive. Je suis même pas étonné, tu vois, ça permet de revoir ses anciennes consoles. Pas plus mal. Bah voilà, mais du coup, c'était des codes du jeu vidéo actuel sur une console rétro. Donc c'était un bon concept. Puis ça a permis de relancer les ventes de Mega Drive. Non, c'est pas vrai. C'était 1 million d'exemplaires. Voilà. Sony. Non mais une Mega Drive, Sega a remonté. Comme ils ont fait, bah Pierre Solar est sorti et ils ont cramé quoi. ils sont redevenus le must. J'imagine ça les fait remonter et tout. Bah déjà la Mega Drive n'est plus trop produite, on va dire. Enfin, je pense pas. Il y a des fous, hein, tu sais. Bah oui, il y a toujours comment ça s'appelle là, il y a un site qui remasterise des consoles. Là, ils viennent de sortir la Nintendo 64. L'Eki, voilà, ça s'appelle l'Eki. Oh. Ils ressortent des Nintendo 64 toutes neuves et tout, toutes bien, toutes parfaites. Ils ont tout refait. Et à 150 euros par contre, le prix de la vraie console neuve quoi. Non, quand même pas, parce que le prix de la vraie console c'était 500 balles. C'était 500 balles. Oui, donc 150 euros. 500 balles. C'est-à-dire, oui, ça serait sorti maintenant, ça aurait coûté 500 euros, t'imagines? Bah non, parce que 1 euro égale pas. 1 franc égale pas 1 euro. Hein. Même si le coût de la vie a augmenté, c'est vrai, mais bon, voilà. Ouais. Le coût de la vie. Écoutez, il faut réduire les inégalités. Je suis François Hollande. Inverser la courbe du chômage, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Inverser la courbe du chômage, c'est comme dans VVV. Ah! On inverse la gravité! On inverse la gravité du chômage! Putain, j'arrive pas à... Must! Putain, je suis consterné. Putain, on allait. Tu sais, on fait des onomatopées, tu sais. Notre commentariste transforme en onomatopée, tu sais. Pendant tout l'épisode, je vais être bloqué sur ce putain de passage, hein. Alors, faut que j'analyse. En plus, il y a bien le fond derrière qui oh te déconcentre. Je suis passé! C'est comme ça qu'il est mort. Putain, c'est trop dur. Oh sa mère, comment je gère? Oh mon dieu. Oh mais... Ouh, putain, j'ai... Ah ok, c'est comme ça qu'il faut passer. Ah mais j'ai géré, hein. Enfin, pendant un moment, je suis pas... Ah, c'était comme ça qu'il fallait passer. Le checkpoint, okay. le checkpoint. Ouais. Putain, mais je me fais devancer à un truc de fou. Comme moi avec Gilof. Il est à deux niveaux de. Il est à The Tower, je suis encore à je sais plus quel monde. Le monde des élastiques, on va l'appeler. Le monde des élastiques. Vous comprenez? Oh, je suis au bout de The Tower. Oui. Non. Oh, non. Le troisième mec. Non. Si, je jure. Non, c'est pas Quelle vrai. Est la situation? Putain. Dans cette situation, vous faites quoi? Vous prenez. Vous ragez et vous balancez votre manette même si vous en servez pas. Réponse 2. Vous levez le complet. Vous rage quitter le jeu en faisant Alt F4. Vous avez sauvé quelqu'un. Réponse 3. Il vous en reste 2. Bien. Il t'en reste 2. Il m'en reste 4. Ah, le niveau. Non, le niveau, oui, 4. Le niveau chelou de la mort. Réflexion, comment en faire? En fait, dans ma vie, faut pas trop réfléchir, faut juste foncer quoi. Faut quand même un peu réfléchir, ouais. Sinon tu meurs, mais. Celui-là.
Oh, il est malheureux quand je crève. Sois malheureux, je crève. Pourquoi le son est coupé? VVV sans son. Ah. Quoi? Il y a plus de son dans VVV. Mais c'est une abomination. C'est horrible. Ah mais je joue plus là, c'est bon. Mais attends, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais le son! Mais... Non merde! Mais non! Non mais c'est bon, j'arrête de jouer, j'ai pas de son. Bah tu sauvegardes, si. Tu sauvegardes. Non c'est bon, c'est revenu. Ah. Tu m'as fait peur. Putain, j'ai failli pleurer quoi. VVV sans son, c'est quoi? C'est plus un jeu. Quand même. Non, c'est plus un jeu VVV sans son, je suis désolé. Un jeu vidéo sans musique. Un jeu vidéo sans son, c'est plus trop un jeu vidéo. Hein. C'est caca. Pour moi, un jeu vidéo sans son, ça c'est caca. Hein. C'est blablabla, bla, bla, du texte, je lis pas. Ah. Oui, oui. Oh, le checkpoint, putain, je l'ai bien mérité celui-là. The Living Dead End. Ça donne bien envie, ça. Attends. Wait a minute. Ah ok, il y a un élastique ici. Ok, c'est bon. Coucou. Wouh. Comment? Ah, j'aime bien le niveau. Il s'appelle ah. Genre ah, t'es mort. C'est rigolo. Moi. Là, j'imagine bien une interview des développeurs. Quand nous avons voulu créer VVV, nous avons voulu faire rager les joueurs. C'est pour ça que nous avons mis des niveaux trolls. Genre ah. Oh, j'en ai un autre. Mais qu'il est con. Oh non, capitaine, tu ma bite, allez, au revoir. Mais qu'il est con. Ok, je m'en vais. Oh non, c'est pas le PD qui me suit. Ah non, c'est bon. Mais qu'il est con. J'ai eu peur, quoi. Et le mec, je cours ça, dans les pics, je suis marrant. C'est rigolo. Oh, tu te rappelles du niveau, là, où il y avait un mec qui te suivait, c'était hyper dur? C'est celui que je suis en train de faire. Ah. C'est Sauteur, ça, non? C'est juste après, Sauteur. En gros, t'es... Il en reste 3. Meilleur, il m'en reste 3, moi. Doucement. C'est bien. Ok, donc là, je suis à la base. Checkpoint. On va aller dans la map. Oh, alors, mon dieu, mais c'est quoi ce level? Mais comment tu veux jouer? T'es pas sérieux? Non, tu... Tiens, on va aller là. C'est rose, ça m'a l'air bien. Ah, ok, ouais, j'ai pigé. Ça m'a l'air beau, c'est rose, c'est stylé, c'est lol. C'est rose, c'est mignon, c'est avec tes chatons. Ah mais ok, je tombe dans le vide. Bon bah on va descendre ici alors. Mais qu'il est con. Oui. Même dans la map monde t'as des trolls tu vois. Putain c'est chaud, ce level il est chaud là avec les 3 plateformes. Imagine. Tiens. Il t'en aurait mis 5. Oui vas-y va dans les pics. Oui. Est-ce que pour accéder à The Tower faut passer toute une série de pics où tu descends totalement? Ou c'est lol ou pas trop pas. Je sais pas par où je suis passé, toi. Sérieusement. Oh! C'est bon. Oui! Oui, il est passé! Oui! M'en fous, il est passé! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Téléporte d'Aivot. The Tower, putain! Oui. Tu l'as sauvé le deuxième? Ça c'est la musique de VV. Tu l'as sauvé le deuxième? T'en as sauvé un autre à part le premier ou pas? Bah oui, le deuxième. Le deuxième tu l'as vu, ok. The Tower Beach. Oh le Shiny Tricket, on s'en bat les couilles alors là. On s'en est jamais autant battu les couilles d'un bonus comme ça. Oh merde. Wow. Ok, maintenant faut que ce soit moi qui passe, c'est génial. J'aime quand fait... Non, putain. Putain. En cœur. Allez. Trop d'inertie, putain. Trop d'inertie, épilepsie, boum. D'inertie, c'est quand ton perso il glisse ou des trucs comme ça. Trop d'inertie. Allez, mais... Putain, il s'arrête pas au bon moment. Inertie plus épilepsie égale VVV. Il s'arrête trop loin, plus il s'arrête trop loin slash pas assez loin.
sans le Leka. En très bonne réponse ici. Merde, j'ai oublié que toi tu vas dans les pics. Tu fais avec, avec les flèches ou avec espace toi? Espace. Ouais, moi je prends ici. Shiny Trinket, ta gueule. Me nargue pas en disant hé, tu peux me prendre, tu sais. Mais je suis useless. Mais je suis un Shiny Trinket et je fais oh lol. Donc vous ne pouvez pas me prendre. J'aime bien les flèches qui te disent où il faut aller, c'est marrant dans The Tower. T'as des petites flèches bien trop lesses qui te disent hé, il faut aller là, connard. Oh putain, mais ouais, mais j'oublie tout le temps. Oh putain, je suis mort. Oh, cette musique. Oh, vous pleuriez si vous l'entendrez. Mais vous allez peut-être l'entendre. C'est ça le pire. Si vous entendez une musique complètement hippique, c'est normal. C'est Lilian qui l'a mis. Il faut trop qu'on mette VVV. Et j'ai dit, ok. C'est comme ça qu'il est mort. Et c'est comme ça qu'on a inventé le stylo. Non. On va arrêter de plagier KDS parce que c'est pas drôle. En fait, The Tower, faut être pile à temps. C'est pas trop tard, pas trop tôt. Mais c'est arrête, pourquoi tu dis plagie à chaque fois qu'on dit pourquoi on plagie Cyprien? C'est quoi, c'est quand même? Oh, à chaque fois qu'on dit oui, on plagie normal. Non, quand même. Non, pas. C'est faux, mais bon. Oh putain, c'était profond ça. Non, c'est faux. Faux. Je me suis suicidé. Tu veux plus profond que ça? Y a un mec dans un bac, il avait comme sujet qu'est-ce que l'audace? Il a mis. C'est ça, 2 points, il a rendu une feuille blanche, il a eu 20 sur 20. Tiens. Mais qui s'en fout? T'imagines? Tu mets que 2 mots et t'as 20 sur 20? Je veux bien, moi. Moi je dis GG. Mais le. Putain, l'année prochaine on va faire de la philo, ça va être trop génial. Ça va être trop nul, ouais, surtout. On va trop s'éclater. Ouais, les profs, ils sont pas du tout aussi. Bon, ils sont pas du tout chiants, pas... Non! Attends, ils sont hyper intéressants, attends. Oh oui, je suis passé. Non, putain, mais quel con, pourquoi je... The Tower, à côté de certains niveaux, The Tower, c'est facile, hein, quand même. Ouais, pas faux. C'est juste faut être rapide, en fait. Oh, merde. Et ne pas se faire tuer comme une merde, là. Oh. T'as remarqué, Viridian, celui que tu contrôles... Enfin, celui que t'as, il a une petite moustache quand il est à l'envers. Non, tu trouves pas? Une petite truc gris. C'est toujours sa bouche, hein, mais bon. Oh, putain, de précision de merde. Oh, c'est la faute à la manette, enfin. Putain. Oh, c'est la faute à la manette. Non, bah, c'est pas trop une manette que je tiens entre les mains, mais bon. Mais... Les mecs qui ont créé VVV. Drogue. Ils ont été pour les décors, ils ont consommé du stupéfiant, tout ça. Ouais, on va faire un truc qui change de couleur tout le temps. Avec plein de trucs en décor qui te défoncent la rétine. Putain, longtemps, on avait des jeux qui te défonçaient la rétine. Ok. Oh merde. Et encore, le pire, c'est les niveaux alternatifs de VVV. Oui, parce qu'il y en a. Sur la version 3DS, il y a plein de niveaux alternatifs qui sont que sur la version 3DS et ils sont hyper horribles. Il y en a un, tu te dis, putain, le chemin il est hyper simple et tout. Et en fait, quand tu prends le chemin simple, t'as une image de troll après. C'est excellent. Ah, c'est bon, j'en ai sauvé encore un. Du sexe inutile. Oh, je suis passé, oui. Checkpoint. Allez, je me casse. Oh, jouissant. What? Ils veulent me tuer. Wout. Non mais sérieux, ils veulent me tuer, c'est quoi ce level? Oh, t'as fait tes devoirs? Oui. Ok. Il me reste plus que 2. Oh non, pas le PD qui me suit. Oh non. Je peux faire là en fait. Oh, c'est l'autenculé qui me suit. T'as ensuite on est à lui? Et oui, je suis à lui. Mais qui est gros ce merde. Follow me, ouais! Je follow back en plus. Oh là là. Alors. Oh, mais lui il a résisté, c'est ça le. Ok. Mais qu'il est con! Enfin, c'est moi qui suis con dans ce cas. Oh, je vais passer! Non, putain, mais qu'est-ce que je suis con! Bon, lui il passe juste avant.
Tu m'as rattrapé un peu. C'est au même passage. Enfin... C'est un passage gris toi aussi. Du texte, on s'en putain, fout. Pourquoi est-ce qu'il... quand il crève, l'autre il est censé crever. Elle s'appelle comment ta zone? J'en suis loin, toi t'en es qu'en début. Ouais, mais elle s'appelle comment ta zone? Je sais plus. C'est écrit mais flemme. Tiens. Mais qui est con, mais... grosse merde, mais qui est con. Attends, il va falloir m'expliquer ce qu'il faut faire. Le mec qui a l'idée de ce concept. Quand même. Eh les mecs, on va faire chier les joueurs. T'en as à quel niveau toi? Enfin quel truc? Loin, très loin. C'est bon, je suis passé. Le checkpoint s'il te plaît. Voilà. Des fois tu vas crever, tu vas oublier un checkpoint là. Merde. Oh oh. C'est moi ou alors il est lol? Il faudrait m'expliquer là. Ok, il est lol. Comme ça, faut faire. Non, c'est juste moi qui suis lol. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con? Avance un peu! Mais c'est consternant, putain! Eh bien, monte sur ta plateforme, toi! Mais. Tu l'as passé toi la plateforme qui monte, qui descend? Depuis longtemps? Ah oui, c'était un bail, mais là j'en suis au suivant, le suivant, tu te demandes comment tu passes. Arg! Oh il est passé! Qui dit... Oui, tu es intelligent mec! Yes! Non! Oui, viens avec moi toi! Non! Non! Mais quoi? Mais oh le téléporteur, je l'ai fini cette zone. Oh je la. Oui viens avec moi. Oh qu'est-ce que je peux la détester cette zone. Attends, tu veux dire que. Don't be afraid. Eh c'est ça. Ne sois pas inquiet. Non, je suis pas du tout inquiet. Je vais juste crever comme une merde, c'est tout. La map. Putain, j'ai pas mal exploré. On est par là. Mais comment tu. Ok, j'ai compris. Je suis de l'autre côté, c'est cool. Non, faut aller vers le haut. Je pars. Ok, crève PD. Ok. Par là peut-être, ouais. Ça me paraît... oui, oui, allez, crève, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin. Non. Oh, t'es sérieux, mais je suis super loin. Je vais trouver une zone, je crois. Mais comment je suis mort comme une grosse merde? No fake. Attention, cette vidéo contient des insultes. Peggy 18. Putain, le jour où on va tester le jeu Peggy 18 qu'on aura acheté sur PC. Putain, y'a un monstre, mais tue-le! Ouais, ça doit pas être par là. Oh, y'avait une zone! Puis d'un coup, d'un prof qui fait oh lol! Ok. Blablabla. Une nouvelle zone. Suis-moi. Chouette. J'espère que c'est pas. Quoi? Toi aussi, tu galérais avec les plateformes où il y avait trois passé... plateformes comme qui se battaient en duel? Ça, oui, ça, je l'ai passé. C'est ça que. Ouais. Ça, je l'ai passé. Ça. Me suis pas, gros connard. La musique elle est bien mais elle chante. Enfin non, elle est juste vérité. Bien. En fait. Non, c'est pas vrai. Putain, c'est nazi ça. C'est nazi. Tu mais as atteint ton point de vue, Lilian, bravo. Et on va peut-être passer au deuxième épisode, non? Au troisième épisode, non? Ouais, peut-être. Non. Bah, merci à tous d'avoir suivi. Mais attends, c'est pas possible, c'est pas sûr aussi. Attends. On en est à 37 minutes de jeu. Bah, non, il reste 3 minutes. Allez. Ouais, mais ouais. Allez, ouais. Fuck it. Bah, fuck it, hein. Allez, dernier essai pour moi. Non, bah, bon. 10 essais. Ok, il y en a plus 8. Oh putain de merde.
Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas jouer. C'est tout, voilà. C'est dit, je sais pas jouer. Mais qu'il est con. C'est là, tu sais, tu crois faire un passage et en fait c'est pour un ridicule orbe de merde, tu sais. Putain. Dans le prochain épisode, découvrez si Lyon a atteint le deuxième point Godwin. C'est la fin là? Bah écoute, bah, ouais. Écoute, dans c'est le la fin. Troisième épisode plutôt, dans le troisième épisode, découvrez si l'enfoiré là qui veut pas coopérer avec Lyon a réussi à passer. Découvrez si GPM a finalement eu son Shiny Trinket. Oui, parce qu'il a eu son il a fait un passage de merde pour un petit pauvre Shiny Trinket, hein, apparemment. Donc voilà, on se retrouve dans le troisième prochain. Allez, salut à tous. Allez, salut à tous.